vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc la fameuse rencontre entre moi et Herobrine, donc qui est une personne tout à fait effrayante que j'ai rencontrée un jour, donc tout simplement dehors dans la jungle. Et il avait une armure. J'ai essayé de le tuer. Il m'a tué tout ça tranquillou et tout ça. Après, j'ai tué un zombie avec l'armure en or. Après, je suis rentré à la maison et vous allez voir que je vais inviter Dinosauria, enfin, devrais-je dire WorldCraftX, et vous verrez que c'était une rencontre épatante. Et donc, nous avons pas arrêté de mettre des pancartes, enfin, des signes et tout ça. Par exemple, You want to be debanned? Ok, stop and you deban. En fait, je savais pas du tout qui était Herobrine. Donc, il fallait tout simplement lui rendre ce qui lui appartenait, c'est-à-dire l'or. Donc par exemple, go away Herobrine. Donc par exemple, il marquait plein de trucs genre die, your home is détruit, tout ça, delete, tout ça. Après j'ai averti les animaux, tout ça, ils ont marqué give a sign if you are a ghost, delete this panel if you are a ghost Herobrine, delete this panel if you are a cheater invisible. Et en fait, à la fin, nous avons vu plein de pancartes partout, marquées die, ensuite c'était give my yard. Donc ensuite, WorldCraftX a eu le réflexe d'aller dans ce coffre et de prendre les deux. J'avais 4 or que j'ai récupéré et il les a donnés. Et ensuite, l'or a disparu. Il y avait plein de trucs qui avaient disparu. Et puis même que vous verrez, l'or on l'avait mis dans le coffre là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Vous avez vu que nous avons ça, donc du coup, on s'est dit, putain, c'est pas vrai, c'est Herobrine, donc il existe vraiment. Donc si vous avez des doutes, des questions à me poser, comment que j'ai réussi, parce qu'après, c'est vrai, c'était harcelant, il disait à chaque fois que si on l'avait pas, on le rendait pas avant une certaine heure et tout ça, il détruirait notre base, il prendrait tout notre diamant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a planqué notre trésor en là-dessous, c'est-à-dire qu'on avait au moins 200 diamants, on avait un tas de trucs. Et donc en même temps, en passant, vous verrez, il y a du bruit, ça m'arrive souvent. Donc en haut, des fois, il y a des trucs qui se cassent, donc ça arrive très souvent, mais c'est pas très grave. Hein. Donc il y a des trucs qui se cassent, il y a des panneaux qui arrivent, bon là, c'est fini. Et en fait, après les admins, ils m'ont tout simplement montré le fantôme de Herobrine. Donc, alors en fait, c'est un zombie, en quelque sorte, le skin normal. Il a les yeux blancs, des fois il a les yeux rouges, s'il est en colère, il a les yeux rouges. Et il a une armure en or. Et l'armure en or, il faut surtout pas la détruire. Donc si vous tuez Herobrine, c'est bon, vous êtes hanté, votre maison est hantée, votre base plutôt. Donc là, je galère à aller dedans, dans la maison. Donc vous allez voir, après il mettait le feu partout, il essayait de me tuer, il mettait des hordes de zombies, tout ça, il était invisible et tout. Et donc après, je vais vous expliquer que c'est très simple, si vous le tuez, c'est fichu, vous pouvez dire adieu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous devez attendre que ce soit le jour pour éviter de le frapper, parce que si vous frappez une seule fois et qu'après ce soit le jour et qu'il s'enflamme, c'est-à-dire qu'il y a la flamme, il va mourir et ils vont vraiment croire que c'est de votre faute. Donc il est vraiment fort, ça c'est vrai. Et vous verrez aussi que il creuse des trous et tout ça. Donc il avait même piqué un peu de trucs dans le coffre en haut, mais sinon il a pas trop piqué les objets de valeur. Je sais pas, peut-être après c'était les admins quand ils sont passés. Mais ils m'ont aidé, donc merci. Donc c'est un serveur anglais. Et donc là vous verrez, ils ne nous ont pas détruit les signes, pour montrer, voilà. Et donc ensuite, on a demandé dans les pancartes là-bas, donc qu'ils sont détruits, du coup ils sont détruits. Nous avons demandé go away, stop Herobrine. Et nous avons dit give gold. Qui contient dans le coffre, et il l'a pris. Et ensuite il a demandé de redonner encore de l'or parce qu'il avait carrément l'armure en or. Donc on lui a donné l'or qu'il fallait. Et après il avait mis un tas de pancartes thank you, et après il a marqué ici que il allait rester ici. Il a marqué stay at your home. Donc moi je reste toujours sur mes gardes, j'ai toujours peur de me faire voler, mais mes bichous sont dedans. Et petite chose, c'est que vous voyez, il l'a tué, et voilà.
quel sanguinaire, bête sanguinaire. Et donc, eh ben, on accuse en fait que ce soit lui, Marc X ou HD, qui avait cheaté et il était invisible. Et donc, vous verrez, c'était vraiment une enquête extraordinaire. Surtout que là-haut, il y avait plein de... Genre, il y avait des oslo, là, c'est-à-dire des léopards, là, des sortes de léopards. Il y avait des creepers, il y avait plein de trucs. Après, vous voyez, il y avait des trucs détruits et tout ça. Et il arrêtait pas de me tuer, bien sûr. Il m'enflammait avec son briquet invisible. Franchement, il était toujours invisible. Donc, une fois que vous le rencontrez, c'est parce que vous avez tué un zombie. Peut-être qu'il avait armure en diamant. Mais c'était un fantôme de Herobrine. Herobrine, qui est une personne qui existe vraiment sur tous les serveurs, presque. Donc là, vous entendez, je suis encore hanté juste un petit peu. Il reste encore un petit peu. Hein. Il m'avait envoyé ça en pancarte. Donc je reste sur mes gardes, mais il peut pas trop voler, il peut pas voler le truc. Donc après, Herobrine, il existe dans tous les serveurs et c'est certifié parce que vous avez la parole avec WorldCraftX. Et surtout, le pire, c'était quand j'allais miner, il avait tout fait pour me tuer, c'est-à-dire que il m'a, par exemple, il a creusé et tout ça, mettre de l'eau sur moi pour que je l'étouffe dans l'eau et tout ça. Et à chaque fois, j'essayais d'éviter parce que j'ai appelé un admin, bien sûr, on va pas laisser ça, surtout que j'avais 9 diamants et tout ça dans les pattes. Et donc voilà, il faut surtout se débrouiller, il faut bien appeler les admins, hein, surtout s'ils sont là. Et sinon, rendez-lui ce que vous lui avez volé, sinon ce sera la terreur pour vous. Et tiens, d'ailleurs, vous verrez, hein, il a fait un trou ici. Il va vous hanter, en fait, donc voilà. C'est quoi ce délire ? Ah oui, d'accord, donc oui. Un gros problème, encore une fois. Ça, je pense que c'est WorldCraftX qui a dû construire, peut-être. Donc là, c'est notre enclos, hein, où il y a les bêtes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous sachiez quoi faire contre ce fameux Herobrine, parce qu'il est vraiment très très fort et il peut vous hanter facilement car il est invisible. Alors, ciao tout le monde et à bientôt pour de prochaines vidéos.